Hortus Focus. Hortus Focus présente. C'est pas du thym, c'est un plectrantus. Hein. C'est un plectrantus. Mais il a quand même une agréable odeur de thym, je trouve. Bon, alors là aussi, la plupart des gens sont divisés. Moi, je dis odeur de thym, plein de gens disent odeur d'origan. Bon, on va pas se battre. C'est déjà pas une vivace, elle est gélive, donc il faut l'abriter l'hiver. Mais elle s'abîme, c'est une végétation rapide quand même à l'intérieur et pendant les jours courts, on a du mal à la garder. Il faut éviter de l'arroser quand même, sinon elle va pourrir et elle va disparaître. Mais elle a un intérêt à l'intérieur, c'est son odeur. Elle dégage une odeur très 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 agréable. Il suffit de la froisser ou juste de la frôler. Hein. Le fait de la frôler, de la remuer un peu, ça dégage un parfum extraordinaire. Il faut quand même y aller avec douceur. Il faut absolument que les terreaux sèchent. Souvent, les gens les arrosent, même quand les terreaux n'ont pas eu le temps de sécher. Entre deux arrosages, ils les re-arrosent, c'est trop quand même. Une plante, elle est vivante, elle est comme nous. Si on garde les pieds dans l'eau, on va avoir des ennuis. Jamais été aux Antilles, mais j'aime bien leur cuisine. Et donc moi je l'emploie aussi en dessert, j'en fais un sorbet qui est assez bon. Et alors pour faire un sorbet, il faut beaucoup de feuilles, comment on fait? Non, il faut une tête de cette taille-là, qu'on écrase et qu'on infuse. Et un sorbet que tu servirais avec quoi? Des fraises ou autre chose? Ouais, je sais pas, un trou normand par exemple, en plein milieu de repas, un petit sorbet... du thym pays, c'est agréable. Peut-être le relever avec un petit peu de rhum. Alors quand on infuse, bon, il y a plein de gens qui m'ont surpris en me disant vos plantes, elles n'ont pas de goût quand on les infuse, mais il y a énormément de gens qui font bouillir l'eau et qui infusent les plantes dans l'eau bouillante. Il faut savoir que l'eau bouillante, ça brûle les principes aromatiques. Il ne faut jamais qu'il y ait une eau bouillante. Une eau à 80 degrés maximum.